Salut à tous, c'est Go et on se retrouve sur un... chez... sur un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur indé. Arrêtez! Je peux pas faire la description. Non! C'est quoi ce menu? Je joue pas là, je suis dans votre menu. Mais ça sert à rien de me faire peur, je suis juste dans le menu. Mais non, mais... Non mais excite. Non mais Baby Blues. Ça s'appelle Baby Blues, ok. Je peux le dire ça sans me faire trop... je vais arrêter la présentation du jeu, c'est ça que vous voulez. Donc ce jeu il s'appelle Baby Blues. Et en fait il a été fait par un mec. Et c'est un jeu. Oh mais putain votre gueule. Chut. C'est un jeu où on doit... Putain, on est un enfant de 5 ans. Ouais, alors déjà, là, c'est... On se prend pour un pédophile quand on joue, mais... Non, mais sérieusement, c'est un jeu. On a 5 ans. Et en fait, on cherche des teddy bears. Parce qu'en fait, on s'est levé avant d'aller se coucher et on cherche nos ours en plus. Bon, allez, on y va, là, j'en ai marre. Oh, nom de Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ce menu, là? Putain, si c'est ça l'ambiance sonore, non, les gars. J'ai une limite sur les trucs d'horreur, parce que, bon... Autant Slenderhone, ça m'a pas trop fait peur, mais c'est parce que l'ambiance était pas assez présente. Vous voyez, moi, c'est l'ambiance qui me fait mal dans les jeux. C'est l'ambiance, ça fait très mal. Donc si c'est ça l'ambiance, je peux vous dire. En plus le son, mais vous vous rendez même pas compte à quel point il est fort. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, K-Games and FPS Crew présente. Putain, il y a une intro et tout, je m'attendais pas. Le mec qui dit qu'il a fait ça sur son temps libre et il fait un truc. Enfin, moi j'ai pas vu la gueule du jeu non plus, mais. Ouais. Baby Blues. Blues, baby. Ça déconne pas trop son intro, une berceuse et tout. Ok, pas de violence, pas de screamer ou je sais pas quoi dans mes gueules. Ok. Je joue. Ok, c'est Slender Style. Ok, oulala, on est vraiment petit, hein. Alors, ok. Non. Ah, je peux save. Oh putain, save. Oh, vas-y, vas-y. Ah oui, merci. On y va. Ah. J'ai vu un truc là à droite, non? Non, c'est juste l'éclair. Putain, je me fais peur. Je peux sprinter. J'ai besoin de 8. Ta gueule! Ok, c'est moi quand je fais F. Alors, quelle touche c'était? V, comme Vendetta. Où sont mes Teddy, putain? Ça m'a l'air d'être un troll, non? Je sais quoi cette map, bon, on va voir. Waouh, ta maison, elle déconne pas, enfin, en tout cas sur la map. Bon, je vois rien dans les angles. Comment je ramasse les choses? Non, j'ai appuyé sur F, il va faire du bruit. Non, c'est bon, il se calme. Non. Non. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée. Ok, je peux faire bouger la boîte. Putain, il y a de la physique. Nom de Dieu de merde. Il y a de la physique. Find 8 teddy bears. Dans la gueule la porte, tu mords, assommé. Plus d'enfants là, on peut plus faire le jeu. Dommage, hein, j'aimais bien. Allez, on y va. À droite ou à gauche? Putain, mais c'est cool, mais on sait pas où on est. Alors, my room. À droite, il y a que la chambre. Et que la chambre de notre mère, donc on y va. Hop. Des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se referment. Oh putain, elle est flippante la chambre de ta mère, gros. Oui, gros, c'est bon. K, alors oui, alors j'ai lu le readme. Il nous disait un peu les touches et tout. Et K, c'est. Il faut une clé en gros. Donc, vu que j'ai 5 ans. Pour trouver une clé, ça va être marrant parce que bon, elle peut être sur une table et c'est bon, je suis baisé quoi. D'ailleurs, le môme il a 5 ans et quand j'appuie sur F, vous voyez le bruit qu'il fait? Pas un enfant de 5 ans qui fait ce bruit là. Hein. Est-ce qu'il y a un teddy bear ici? Non, putain, je vois rien. Et pourquoi il a une caméra le gosse? Putain, c'est quoi ses parents là? Putain, il a une caméra, ça... Allez, dans la salle de bain, je vois rien. Ah, je peux entrer. Entre. Entre. Cours dedans. Cours. Ok, je suis dans la salle de bain.
Je sais pas pourquoi j'ai peur, là, il se passe rien en fait, pourquoi j'ai peur? Ok. Bon, il y a un fantôme qui pisse, rien de bien grave. Seul... Ok. Seul truc de chiant. Oh, c'est quoi ça? Non, bouge. Oh, je suis bugué, je crois. Non. Non. Oh non. Oh, la tristitude. La tristitude. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce jeu, quoi? Pourquoi je l'ai déjà bugué? Oh, l'autre game. Putain, j'ai réussi à bugger le jeu quand même. Je suis fort, non? Ça c'est pas possible. J'ai fait 3 mètres dans le jeu, je l'ai bugué. GG moi quoi, mais là j'ai... Oh bah... Vous moquez pas de moi derrière votre écran, c'est pas gentil. Ok? Putain. Comment je pouvais savoir moi qu'il allait se bloquer entre les chiottes et le mur? Putain, personne fait ça, sérieux. 5 ans j'avais un peu plus de jugeote. Je veux dire, bon... Déjà je sais pas pourquoi je m'amusais à chercher tous mes ours en peluche là. Je sais pas pourquoi je m'amusais à les cacher aussi. Ouais non, ta gueule là maintenant. Faut se calmer ma petite. Je vais écouter ton intro 4 fois de suite. C'est moi là qui fais ce bruit là. J'ai l'impression que c'est moi là. Allez go. J'aime pas ça. J'aime pas ce bruit. Allez. Allez rentre putain. Ramasse. Mama Roomkey, Tech Mama Roomkey, bah oui. Putain, mais le gosse il pense quoi. Enfin, je veux dire, je vois une clé. Oh là, ça a été douloureuse la fin du shot là. Ok, donc je peux aller dans la chambre de maman. Oh putain, mais c'est super sombre. C'est quoi ce bruit là? Ah non, c'est quoi ce bruit de pédophile? J'entends. Genre, mon enfant, viens là. Putain. Ok, donc là je vais aller à la chambre, j'imagine que je vais prendre cher. Pas un truc trop fort dans les oreilles, s'il vous plaît. Mes oreilles sont sensibles. Oh, putain, il en faut peu, quoi. Vous voyez, j'allais dire, il y a des jours où on est plus dans le... Ok, la chambre... Ok, la chambre de maman, c'est pas bien. Il y a des jours, vous voyez, où on est plus dans le délire, en fait, du jeu d'horreur que d'autres. Oh, arrête! Cette porte est fermée. Je suis le seul à avoir la clé dans la maison. Ça va te frapper alors. À la dor, j'ai dit oui, je suis un peu bilingue quoi. Non mais je veux dire, il y a des jours, franchement, vous pouvez pas le nier, il y a des jours où on est plus dans le délire du jeu d'horreur, vous voyez, que d'autres. Il y a d'autres jours, par exemple, moi quand j'ai joué Slenderman, bah... Oh non, il faut apprendre à fermer sa gueule quand je parle aussi, putain, déjà dans le menu, vous me trollez. Il y a des jours où on est clairement plus dans le délire d'avoir peur. Enfin bon, je vais arrêter cette truc parce que du coup, je me suis perdu quand le trail m'a trollé. Ok, Mommy, j'aime bien ta pièce, mais... Putain que c'est sombre. C'est sombre. Ok, Mommy. Oh, il y a un truc par terre. Ah non, c'est des chaussures. Ok, putain. Fais chier, Mommy. Il y a que dalle dans Mommy Room, là. Attendez, il y a forcément un truc ici. Ah, mais c'est... Putain, c'est la souris pour ramasser les trucs. C'est la souris. Quel con. Quel con. J'ai rarement vu ça. C'est la souris. Bon, je vais cliquer de partout. Je vais troll. Ils l'auront bien cherché. Allez, je veux trouver des choses. Les clés dans les chaussures, peut-être? Classique, ça. Là, ta gueule! Non, non, je ne vais pas là. Non, non, non. Pff, écoutez, j'ai donné sa chance au jeu, donc on s'arrête. J'ai... What? Ok. J'ai pris un teddy bear. 1 sur 9. D'accord, les gars? Vous énervez pas. J'ai pris un teddy bear. J'ai rien fait d'autre, ok? Donc, je suis dans la chambre de maman. Il faut que je revienne vers la bathroom et que j'aille dans la media room. Oh putain, ça me... Le contraste entre... Tu es encore là, hein? Bouge! Enfoiré! Enfoiré de mannequin. Ils aiment bien les mannequins hein, dans les jeux d'horreur. Putain, le gosse qui arrive à courir à 5 ans, mais il sait pas parler, c'est un peu un échec, quoi. Enfin, en même temps, je dis ça... Je me rappelle pas vraiment, mais je vois rien, que ça me saoule. Ok, j'ai ouvert la porte sans faire exprès. Hop, 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 un petit éclair, par-ci, par-là. À gauche, à droite,
Ok, j'aime pas cette pièce. Media Room, j'aime pas ça. Putain, mais ta gueule! Shut up! Bitch! Non, mais la luminosité là, c'est un enfer pour moi. Quoi? Tu vas me tuer, t'as dit? Kill you? C'est pas très gentil cette histoire, enfin je veux dire, c'est. La porte est restée ouverte, hein. J'aime pas ça, mais alors pas du tout. Oh, tu bouges tout seul! Ah, comme c'est rigolo! Un autre teddy bear! Apparemment, j'ai pas le droit de les ramasser. 2 sur 9, bitches. Oh, nique ta mère. Je sais pas pourquoi je balance ça comme ça, mais il fallait que ça se dise. Allez, on se casse. Hello! Juste dans la hallway, j'ai envie d'aller à la washroom, tout droit. Allez, run. Run, 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 run pour ta life. Dans la living room, qu'est-ce qu'on y? Eh bien, ta da ta. Je vois rien. Ah, j'en ai trouvé un. Je le vois même pas quoi. Je sais juste parce que. En fait, je passe ma souris partout et le truc il me dit take machin. Hop. C'est qu'une chaise. C'est pas qu'une chaise. Il y a un truc qui est passé dans le fond. Bon bah j'irai pas là-bas. Oh, il me faut une clé. Non, non. Ça non. Donc y'a quoi? La kitchen, la washroom, la work office. Bon, la living room elle est plutôt fat. Putain, quel enfoiré ce gosse. L'idée de merde quoi. Ah, un autre. On se cache. Je sais même pas où je suis. Putain, mais c'est infect ce bruit quoi quand on ramasse un teddy bear. Par là, la belle statue là qui va me troll. Ouais, je le savais. Ça, franchement, ça m'a, enfin, ça m'a fait des frissons parce qu'il y a eu l'effet sonore, mais ça m'a pas fait peur. Je t'avais vu venir. T'as une clé sur toi. Oh, je peux te faire bouger, tu viens avec moi. Tu viens avec moi, enfoiré. Oh, putain. Y a quelqu'un? Dis-moi. Observe. Observe s'il est encore là. Il est là ou pas? Ah, il veut pas me répondre. Il a pas trop aimé tomber de son socle tout seul. Peut-être moi avec mes pouvoirs psychiques en même temps qu'il est fait. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, ce serait trop demandé. Donc, plan d'attaque. Ah, il y a même les rideaux. Il y a même les rideaux qui sont dessinés. Sinon, je peux partir dans la rue. Je vois qu'il y a la porte de sortie là. On part dans la rue, les gars. Ouais, allez hop. On se barre de cet enfer. Donc, dans la work office, hein, clairement, il faut y aller. Merde, c'est là que le monstre allait. Donc, j'imagine qu'il faut aller là. Là, tu peux être juste devant moi, monsieur le monstre. Je ne vois rien. Donc. Amuse-toi tant que tu veux. Ah là par contre je vois. Ah j'aime. Quoi? Quoi? Il était par terre quand je suis arrivé, c'est quoi ce bug? Le truc, il était par terre, je suis arrivé, c'est un bug en fait, il m'a spoil. Ah! Bonjour, petite tête de japonaise. Putain, ils aiment bien les jeunes japonais. Allez, washroom key. Je la vois. Prends-la. Washroom key. Oui, take. Putain, quel con celui-là. Quel con celui-là. Oh! Oh là là. Mon niveau de sanity là il est low. Pour parler en termes amnésiens. Ah, teddy bear. Ah, putain c'est chiant. J'aime jamais trop ce bruit moi. 5 sur 9 hein. Alors 5 sur 9 on va à la washroom. Ok, donc c'est juste à côté, il va forcément se passer un truc pour ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a eu là déjà? Là je sais qu'il y a un truc qui s'est passé vu qu'il y a eu du bruit. Ah, il y a un truc qui s'est écrit sur le tableau. Qu'est-ce que c'est? We are near. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Ok. Putain, il y a la statue par terre, c'est moi qui l'ai mise en même temps. Oh, oh non, mais ça. Pff. Alors, c'est. Franchement, ça, c'est gratuit. Parce que vous voyez, ça, c'est un moyen facile de faire peur. Ça, un peu moins. Franchement, je trouve que ça, c'est de la facilité de faire ce qu'ils ont fait. Allez, rentre! Et ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Franchement, je trouve que c'est de la facilité, là. Ça marche toujours, certes. Mais franchement, c'est de la facilité, quoi.
Ah putain, arrête d'ouvrir les portes. Pas un teddy bear par là, il y a forcément un truc, des choses. Oh! Hello! Kitchen key. Yes, kitchen key, kitchen key! Y'a quoi par là? Que dalle? Alors, V pour Vendetta, kitchen key. Oh putain, la kitchen, j'aime pas où elle est. Oh non. Oh, la facilité du screamer, quoi. Ah, y'a un fou. What? What? Non, non, je m'approche pas du fauteuil roulant, non. Allez, kitchen. Run, 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 run. Run, pas de screamer, run. Y'a un truc contre la fenêtre. Peut-être une chaise. Ok, un éclair. C'est lourd. C'est lourd. Ok, putain, c'est une... C'est une... C'est ça la cuisine? Ah bah putain, tu vis où mon gars? Ah mais, il vit dans des maisons abandonnées lui. Mais c'est quoi ce gosse laissé? Putain, c'est quoi ses parents, sérieux? Comment tu peux décider d'avoir un enfant? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai même pas compris. J'ai commencé à avoir peur et en fait il y a eu tellement de bruit et j'ai rien vu en fait. C'est tout noir que j'ai pas eu le temps d'avoir peur vraiment. Trop grande la kitchen, trop grande. Trop bon, trop con, trop grand, trop long. Trop grand, trop... je vois rien. Alors là pour le coup je vois... Mais alors, mais rien. Ah merci. Quand même. Il suffit que je demande hein. Ah, un teddy bear. Donne-moi, il ressemble à rien, en plus il est glauque ton teddy bear. Quoi ce bruit, sérieux quoi? Putain mais drop-le ton teddy bear, mais ramasse-le même pas quoi. Ok, je fais bouger, putain mais j'ai vachement de force hein. Je faisais pas bouger les chaises comme ça moi à cet âge là. Okay, donc là il va clairement se passer quelque chose. Ok bah allez go, c'est comme aller à l'abattoir en fait. Ah teddy bear, en haut là. Sur 9. On va le faire les bitches. Bitches. 7 sur 9, ça veut dire que... J'ai dû en louper en fait. J'ai dû en louper. Genre... peut-être dans la living room. Dans la mama's room. Non, dans la mama's room, je l'ai pris. Et en fait, je switch entre la map pour voir s'il n'y a pas un truc qui me fonce sur la gueule. Dans la media room, est-ce que j'ai pris quelque chose dans la media room? Je suis pas sûr. Bon bah en tout cas c'est pas dans la kitchen. Peut-être dans la my room d'en avoir un. Clairement. Bon là je vais moi. J'attends que ça. Prends-moi. Achève-moi. Je lui démon. Ah salut, je te poursuis, t'es où? T'es parti dans le sol mon petit bébé. Oh mon grand bébé en même temps c'est bizarre mais bon. Ok, j'avais oublié comme c'était sombre ici. C'est cool. Cool story. Cool story. Ouais, peut-être un... What? What? Je sais pas ce qui se passe. The fuck? What? Pourquoi est-ce qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il bande? What? Je l'ai tué avec la planche? Ouais, j'ai soulevé une planche. C'est fini? Ouh là là.
Oula, mon Dieu. Nom de Dios. J'ai rien compris. Donc du coup, il n'y a rien ici. Ça m'a un peu... Bon, bah écoutez, on peut continuer à se balader, j'imagine. Bon, alors en gros, il a défoncé la porte d'entrée, il est rentré. Allez, cours, 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 cours. Cours, 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 cours. 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 Ah, qu'est-ce qu'il y a, oh, ah. T'as pas laissé un... Ah, il est bien, ce jeu. T'as pas laissé un ours ici? Alors, bathroom, il allait dans l'hallway. Bien sûr, il allait là où je dois aller. Pourquoi il irait ailleurs en même temps? Je vois même pas. Pieds nus, des pieds sur le mur. Ok, tu marches sur les murs? Tu peux me le dire à moi, je suis ton ami. Je te dénoncerai pas à Ghostbusters. Bon, je vais dans la pièce, tu vas me sodomiser, c'est ça? Oh, c'est tout allumé, tiens. What? J'en ai besoin de 8, t'es sérieux? Non, non, il disait 9 dans la description. Il y en a un là, non? Pff, écoutez, de toute manière, j'ai l'impression qu'on a déclenché un peu tous les éléments scriptés, non? Je pense qu'on a vraiment tout fait en fait. On va. Où est-ce qu'on peut aller? Peut-être dans... Alors là... Je vois vraiment pas où ils sont pour le coup. Apparemment j'ai pas tout débloqué. Hein. Conneries! Qu'est-ce qu'il y a, papa et maman? Vous êtes morts? Il vous a tué, le grand méchant? Tant mieux, vous m'encombriez dans ma vie. Vous voyez, je veux mener ma vie, je veux me balader la nuit, chercher des ours en peluche. Et vous étiez... Vos gueules! Un moment, s'il vous plaît, quoi. Mais... Ah, ok, c'est des chaussures. Depuis tout à l'heure, je croyais que derrière ce truc, il y avait un ours en peluche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un mec! C'est un mec! Oh, je te veux pas de mal. Qu'on soit d'accord là-dessus. C'est un mec. Qu'est-ce que tu fais, espèce de psycho? C'est toi, mon père? Ok, alors attends, mon gars. Alors, je prends la chaise et je te la casse sur la tronche. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ok, tu t'es levé, c'est ça? Non, ça va. Donc il y a un mec en camisole dans la chambre de mes parents, ok. Écoutez, bon, bah, je vois pas trop, et puis là j'ai eu ma dose aussi, hein. Il y a plusieurs choses qui jouent, vous voyez, c'est... Hein. C'est pas qu'une chose en fait, c'est... Il y a des choses, vous voyez, des choses, bon, bah, qui font qu'on a envie d'arrêter, quoi. Non mais sérieusement, c'est trop sombre, trop sombre. On voit que dalle, quoi. Je demande pas avoir une lampe torche, parce que bon, j'ai 5 ans, bon... Quoique j'arrive à marcher dans la maison et tout, j'arrive à lire une carte et tout, mais bon, ça c'est pas grave. Je sais pas parler, mais je sais lire une carte, je sais écrire. Regardez, où sont mes ours, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui ai fait le plan. Bon, je suis un peu un architecte. Et alors, j'ai 5 ans, les gars, j'ai 5 ans. Qui faisait pas des plans de sa maison à 5 ans? Hein? Bon, tu sais pas parler, tu sais écrire, dessiner d'abord. Oui, oui, et alors? Non, écoutez, on s'arrête là. Parce que, eh ben, je ne sais pas où ils sont et j'ai pas envie de retourner dans cet enfer. Enfin, dans cet enfer. Il y avait des... Ok, à peine j'avance du lit, quoi, c'est l'ambiance de fou. J'ai pas envie de retourner dans ce truc chercher pendant une heure, quoi. C'est très sombre, en fait. Très sombre. Bon, en tout cas, le mieux, c'est encore de l'essayer vous-même, hein, comme je dis d'habitude. Je fais 3 vidéos, waouh, je le dis souvent. Non, mais j'ai envie de vous dire, ces jeux-là, il faut toujours les essayer, en fait, tout seul.
pour voir vraiment ce que ça fait, quoi. Enfin bon, là c'est scripté, j'imagine, donc bon, si vous le faites, c'est clair que ça va pas être très intéressant. Mais en tout cas, c'était un bon jeu. Franchement, ça marche bien. Pour un mec qui l'a fait tout seul, je trouve ça assez impressionnant. Vous savez ce qu'on va faire? On va save. Attends, une deuxième sauvegarde, oh, j'ai de la place. On va save et on retourne. Non, on va pas au menu parce que c'est le menu de l'horreur. On s'arrête là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais juste voir ce que c'est ce tableau. Ça m'a l'air d'être une radiographie depuis tout à l'heure. J'ai un peu peur pour le gosse. Qu'est-ce que c'est que ce tableau glauque encore, putain? C'est quoi ces parents, quoi? Regardez-moi ces tableaux qu'ils mettent au mur. Mais bon. En fait, là, j'ai un peu flippé parce que vous voyez le changement d'ambiance. Regardez le bruit que ça fait. Mais ça s'arrête d'un coup, c'est. On a l'impression qu'il y a un truc qui va nous tomber sur la gueule. Enfin bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos d'horreur ou d'autres, je ne sais pas. Apparemment, vous aimez bien l'horreur, donc bon, c'est parfait. Allez, salut. Donc. Ah, tu m'as eu. Eh oui, t'as gagné cette partie, ça n'est même pas la. Pas la fucking. C'est bon, t'as disparu. Il est derrière moi. Il aime bien cette épée. Hein. C'est un petit plaisir, ça.